Le Carreux, Madame Moreau, Monsieur Bézaouia, Mondin, un petit peu d'AS. Monsieur Correa, Monsieur Michel, Madame Marqueton, Monsieur Marquès, Madame Drode, Elle arrive. Madame Rad. Mandat. Monsieur Lorenzo. Monsieur Attiori. Madame Lanchas Vicente. Madame Jiménez. Monsieur Sanogo. Madame Missour. Monsieur Tellier. Madame Sadki. Monsieur Moser. Mademoiselle Labasse. Elle arrive. Monsieur Segura. Mandat, Monsieur Chalier. Présent. Madame de Monceau. Présente. Madame Kerouel. Présente. Monsieur Hernandez. Présent. Monsieur Goldberg. Mandat. Mandat. Monsieur Chalier, présent. Présent. Monsieur Lawedge. Présent. Madame Fougeray. Mandat. Mandat. Madame Bézaouia. Présente. Mademoiselle Abdelaoui. Absente. Monsieur, donc secrétaire de séance, Monsieur Marquès, le quorum est fixé à 27 élus. Merci. Pour le secrétaire de séance, Monsieur Marquès. Merci bien. Précision donc sur les documents de l'ordre du jour. Y a-t-il des demandes de désaffichage? Madame de Monceau. Alors, je ne sais plus. La 9 et la 19. La 9 et 19. Merci. Monsieur Hernandez ? Monsieur Hernandez ? Non ? Merci. Nous passons donc la parole à Monsieur El Kouradi. Monsieur le maire, excusez-moi. Oui, Monsieur Chalier. Monsieur le maire, au nom des élus du groupe socialiste républicain, des élus du parti de gauche et des élus communistes front de gauche, je vous demande de pouvoir faire une déclaration en ce début de conseil municipal concernant un sujet d'actualité que vous avez provoqué suite à la publication de votre arrêté d'interdiction de la campagne nationale de prévention des IST et VIH sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. Merci Monsieur Chalet. Comme vous le savez, nous avons tous voté le même règlement en début de mandat. Du reste, je pense qu'il y avait unanimité, sauf peut-être effectivement Monsieur Hernandez. Nous sommes convenus systématiquement que les questions ne se posaient qu'à la fin, en question orale, et nous n'y avons pas dérogé jusqu'à présent, quels que soient les dossiers d'actualité, qu'ils soient de nature municipale ou qu'ils soient de nature nationale. Donc, sans aucun problème au niveau de la déclaration, mais en fin de conseil municipal, comme ça se fait traditionnellement. Donc vous refusez qu'on puisse prendre la parole en début de conseil municipal? Je ne refuse pas que ce soit bien écrit sur le procès-verbal. Monsieur Chalier, vous avez voté un règlement intérieur, comme moi. À l'époque, le président... J'ai une demande que je vous fais pour pouvoir intervenir. Monsieur Chalier, je me suis planté de bouton, ça arrive. Monsieur Chalier, si vous le pouvez, jusqu'à présent, vous êtes président de groupe. Lundi, vous étiez reçu en président de groupe. Vous avez jusqu'à présent respecté le règlement intérieur que votre groupe a fait voter. Oui, mais lundi, j'avais pas le fait d'actualité. Monsieur Chalier, qui est arrivé dans l'actualité mardi. Monsieur Chalier, donc je vous demande de pouvoir jusqu'à prendre la parole. Présent, dans ce conseil municipal, nous avons bien séparé le fait municipal géré en conseil municipal et d'autres faits. On va rentrer en élection bientôt, présidentielle, législative, et nous avons... Je vous parle d'un fait d'actualité que vous avez provoqué. Monsieur Chalier, nous avons systématiquement séparé les choses et convenu ensemble, c'est dans le règlement intérieur, que cela se fait en fin de conseil municipal. Donc, je ne vous enlève pas la parole. Je dis en séance, puisque la séance est ouverte et que j'assure la présidence de cette séance en vertu aussi du règlement intérieur, que votre prise de parole ne sera pas enlevée, mais elle sera en fin de séance telle que définie dans le règlement intérieur. Très bien, ok. Je vais tout simplement... Merci, Monsieur Chalier. Je vais être très clair. Nous n'assisterons pas à ce conseil municipal. Nous n'accepterons pas de siéger dans une assemblée qui n'a même pas débattu de ce sujet et qui est sur un sujet très grave qui concerne... Merci, Monsieur Chalier. Nous sommes... Le quorum est réuni. C'est très dommage que vous ne participez pas au débat, mais je le répète. Bien, oui. Vous avez accepté... Merci.
Monsieur le maire, oui, bonsoir. Juste un instant, monsieur Laouedj, qu'on voit bien qui fait quoi si monsieur Chalier part. Monsieur Laouedj, vous avez la parole. Oui, non, juste une chose, monsieur le maire. Non, parce qu'en fonction de la continuité de ce conseil municipal, il y avait une question qui vous a été posée par le président du groupe socialiste, mais c'est vrai que nous, on s'associe au nom du Parti radical de gauche à cette question. C'était de savoir si par rapport à au communiqué que vous avez fait concernant les affiches. Monsieur Laouedj, je termine après. Monsieur Laouedj, vous avez voté un règlement intérieur en début de mandat. Moi, j'ai rien voté du tout. Vous m'avez donné la présidence de ce conseil municipal par les 43 élus présents. Monsieur le maire. Le quorum est réuni. Nous sommes 27. Si vous voulez quitter cette salle, vous le pouvez. Le quorum est réuni. Vous le savez. Donc, effectivement. Soit c'est dommage, monsieur le maire. La majorité pourrait se poser la question de partir. Mais, monsieur le maire, c'est dommage parce que non. Monsieur Laouedj, n'insistez pas. Alors, le premier point. Premier point, monsieur El Kouradi, vous avez la parole. Délibération numéro 2, DGST, direction des réseaux, c'est un prend acte. Alors, vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-29 et L5211-39, vu la délibération numéro 44 en date du 22 septembre 2005, portant sur... Je demanderai, s'il vous plaît, à l'assistance de respecter l'orateur tel que c'est défini. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur El Kouradi, vous avez la parole. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-39... Vu la délibération numéro 44 en date du 22 septembre 2005, portant sur le transfert de compétences de maîtrise d'ouvrage du CIGIF par la ville d'Aulnay-sous-Bois, vu le rapport d'activité pour l'exercice 2015 transmis par le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France et son annexe relative aux chiffres clés de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour 2015, annexé à la présente délibération, considérant que le rapport annuel et son annexe présentés sont conformes à l'activité exposée, considérant l'obligation de présenter chaque année à l'Assemblée délibérante le rapport d'activité du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, Monsieur le maire demande au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel d'activité du syndicat intercommunal
pour le gaz et l'électricité en Île-de-France et son annexe relative aux chiffres clés de la ville pour l'année 2015 concernant le transfert de compétences de maîtrise d'ouvrage au CIGEIF pour les opérations d'enfouissement de réseaux de distribution d'énergie. Merci, monsieur El Khouradi. On est sur un pro-acte. Il n'y a pas de questions particulières. Avant que nous continuions, monsieur le directeur général des services, j'aimerais que soit constaté sur procès-verbal le nombre d'élus présents pour bien voir que le quorum est atteint malgré le départ de certains élus. Oui, c'est fait, merci. On peut continuer. Délibération numéro 3 des GST. Monsieur Moser, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'aget d'une sollicitation de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour le fonds de propreté dans le cadre de l'appel à projet région Île-de-France propre. Donc, le conseil régional d'Île-de-France, présidé par Madame Pécresse, s'est engagé par délibération en date du 7 juillet dernier à doter la région d'un fonds de propreté d'un budget de près d'1 million d'euros en 2016 afin de soutenir les acteurs franciliens qui s'engagent dans une action territoriale et partenariale de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages. Cette aide régionale aux investissements accordés aux collectivités peut atteindre un montant de 80% des dépôts éligibles hors taxes. Suite à une comparaison des tonnages des dépôts illicites, les services municipaux ont constaté une augmentation d'environ 25% ces dernières années. Conscient de la difficulté à lutter contre ce fléau et face à l'ampleur des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, la ville souhaite s'engager pour la préservation et l'embellissement de son cadre de vie. Cette opération, qui devait être renouvelée en 2017, permettrait aux collectivités de lutter plus efficacement contre les dépôts sauvages. Les quantités de déchets ramassés chaque année témoignent de l'importance de ce fléau. En effet, les services municipaux ramassent en moyenne 3700 tonnes par an de détritus abandonnés illégalement sur la voie publique, soit plus de 7% du total des déchets gérés par le service public. Le coût annuel d'évacuation et des traitements de ces déchets s'élève à plus de 360 000 euros, toutes taxes ajoutées, auxquelles il convient d'ajouter plus de 160 000 euros des frais de ramassage en régie, en s'agissant du personnel et des véhicules. Néanmoins, ces coûts n'englobent pas les préjudices infligés quotidiennement à l'image de la commune et à l'agression visuelle que subissent les habitants. Aussi conscient des enjeux économiques et environnementaux, la ville souhaite se doter de moyens supplémentaires pour la préservation et l'embellissement de son cadre de vie. Plusieurs pistes ont été identifiées, à savoir l'installation d'équipements de prévention des déchets sauvages, de type barrière sur les lieux sensibles, l'implantation de panneaux rappelant les textes de loi et les sanctions applicables sur les sites récurrents, l'acquisition de véhicules spécifiques dédiés au ramassage et au suivi des dépôts sauvages, le déploiement d'un réseau de vidéosurveillance et création d'une brigade d'agents assermentés, l'acquisition d'un logiciel servant aux différents rapports statistiques et suivi des procédures, et l'application et suivi des sanctions. Ce projet associe au sein des services municipaux ceux en charge de la gestion et de la prévention des déchets, de la propreté urbaine, de la direction du développement durable, des moyens opérationnels et logistiques, de l'assainissement, de la signalétique, de la police municipale bien sûr, de la communication et de la charte graphique, de Proximolnay, de la démocratie de proximité et de l'informatique et de l'imprimerie. Cependant, les entrées de ville étant particulièrement touchées, Aulnay-sous-Bois n'exclut pas une mutualisation des compétences et des moyens avec les villes limitrophes et notamment celles du territoire. Je vous remercie. Merci, monsieur Moser. Pas de demande de précision. Qui est pour ? Unanimité. Merci. Nous arrivons à la délibération numéro 6, portée par Madame Maroun, qui a dû s'absenter, direction de la tranquillité et de la sécurité publique, police municipale, télésécurité, approbation du montant de la redevance. Le montant de la redevance est inchangé par rapport à l'année dernière. Nous nous y étions engagés politiquement. 264 euros pour les particuliers, soit 22 euros par mois. 360 euros pour les entreprises et professionnels. Donc, au 18 novembre 2016, le service compte 442 abonnés, 391 particuliers, 51 professionnels. On compte aussi 177 sites de bâtiments communaux concernés. Cela a donné lieu à 426 interventions police municipale, puisque c'est la nouveauté, vous le savez, c'est la police municipale qui intervient après levée de doute. Pour info, nous avons compté l'année dernière, 24 nouveaux contrats. C'est très positif. Y a-t-il des questions, demandes de précision? C'est une délibération que la majorité connaît. On peut l'approuver. Qui est pour? Unanimité. Merci. Nous avions eu donc la délibération numéro 9 qui avait été désaffichée par Galanterie Républicaine, même si
la personne qui m'a demandé le désaffichage de cette délibération n'est plus là, nous allons l'étudier. Donc c'est la délibération numéro 9, personnel communal. Monsieur Fleury, vous avez la parole. Oui, merci monsieur le maire. Vu la délibération numéro 11 du 21 septembre 2016 portant sur l'actualisation du tableau des effectifs communaux, le maire expose à l'Assemblée qu'il y a lieu de mettre à jour le tableau des effectifs suite aux nominations, départs et recrutements de personnel. Donc je précise qu'il s'agit d'une gestion budgétaire des postes. Donc dans le corps de la délibération est divisé en trois. D'abord, vous avez les créations de postes pour faire face aux besoins de fonctionnement des services, aux avancements de grade. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui concerne la suppression de postes, mais je précise qu'il s'agit de suppression de postes budgétaires, hein, ce n'est pas des suppressions de fonctionnaires. Donc des suppressions de postes pour faire suite aux avancements de grade et promotion interne et aux mouvements de personnel. Et enfin, c'est la troisième partie de la délibération, il s'avère nécessaire de supprimer 4 postes pour disparition du besoin, bien que je précise que sur ces 4 postes, il y a un poste qui fait l'objet d'un transfert à l'établissement public territorial. Donc en fait, on ne parle que de suppression de 3 postes suite à la disparition du besoin. Voilà, monsieur le maire. Merci. Bien préciser qu'il y a effectivement dans le dispositif, il y a lieu de lire, je le dis pour l'administration dans le procès verbal, vu le comité technique du 23 novembre, au lieu du vu le comité technique du 16 novembre. Voilà, simplement être bien sûr. Qui est pour ? Unanimité. Merci. Nous arrivons à la délibération numéro 14. Monsieur Fleury, vous avez la parole. Oui, il s'agit d'examiner une décision modificative du budget principal ville. Donc elle est assez courte. Il s'agit de l'inscription tant en dépenses qu'en recettes d'un montant de 119 994 euros en compte 45 pour des travaux effectués pour le compte d'un tiers dans le cadre du sinistre qui s'est déroulé aux 3 rues Julien Mira, donc c'est l'immeuble qui avait pris feu devant la gare. Ces travaux pris en charge initialement par la ville feront l'objet ensuite d'un titre de recette envers le tiers concerné. Cette opération comptable, dont le fait générateur est la nécessité d'urgence au regard du péril encouru, est donc neutre et ne constitue pas une dépense définitive de la part de la collectivité. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Fleury. Pas de questions. Qui est pour ? Unanimité. Merci. Nous arrivons donc, toujours monsieur Fleury, à la délibération numéro 18 sur le CEPFA, et c'est un prend acte. Merci, monsieur le maire. Donc c'est la délibération numéro 18 relative au rapport d'activité 2015 du CEPFA, donc qui est l'acronyme désignant le syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnois. Donc vous pouvez voir ce rapport dans les pages 258 à 268 de l'ordre du jour dans la CABOX. Donc je rappelle que le CEPFA est un syndicat mixte qui regroupe historiquement les communes d'Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Ménil, Sevran, Tremblay en France et Villepinte. Il intervient dans divers domaines, par exemple l'organisation de l'intégratlon, hein, qui est une manifestation autour du sport qui réunit des pratiquants ayant un handicap et des valides. La gestion de réseaux de chaleur sur les villes de Sevran et du Blanc-Ménil, la gestion de grands équipements comme le complexe culturel et sportif Pierre Peugeot, les déchetteries intercommunales, le crématorium intercommunal, le cimetière intercommunal de Tremblay, un centre équestre qui est situé à Tremblay aussi, ou encore les aires d'accueil des gens du voyage. Il est aussi principalement connu pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. Alors là, je précise qu'effectivement, on parle du rapport d'activité 2015, donc avant la mise en place de l'établissement public territorial Terre d'Envol au 1er janvier 2016, et ses conséquences, notamment budgétaires. Donc ça me permet de faire une transition vers les éléments budgétaires du rapport. Au niveau financier, l'exercice 2015 dégage un excédent global de fonctionnement de 1 681 193 euros, qu'on peut voir à la page 267 de l'ordre du jour. C'est un excédent certes, mais il est en net recul par rapport à 2014.
L'excédent brut de gestion, qui, si on le faisait une comparaison avec le monde des entreprises, correspond à l'excédent brut d'exploitation, diminue ainsi fortement de 13,46% suite à une hausse des charges et un plafonnement des recettes. Il y a plus de détails en page 84 de l'ordre du jour dans la CABOX. Donc, ceci étant, on reste sur des masses budgétaires modestes au regard de celles de la commune. Si on fait une comparaison, juste pour voir un ordre de grandeur, les charges à caractère général représentent pour le CEPFA 2,9 millions, pour la commune d'Aulnay, c'est 44 millions, et les charges du personnel au chapitre 12, c'est 1,8 millions pour le CEPFA, et pour Aulnay, c'est 96 millions. C'est tout ça, c'est pour relativiser un petit peu les masses, mais pour rappeler au passage que la mécanique est la même, hein, puisque effectivement le CEPFA, comme notre collectivité, subit une stagnation des recettes, hein, notamment à cause de la baisse des dotations, et du coup le résultat de la section de fonctionnement décline en cas de hausse des charges. Ceci étant, et cet élément est signe d'une situation financière encore convenable, la totalité du résultat de la section de fonctionnement, donc l'excédent de 1 680 193 que j'évoquais plus tout à l'heure, sert à couvrir le besoin de financement global de la section d'investissement. Le détail de la section d'investissement se trouve à la page 266. Ainsi, le CEPFA n'a mobilisé aucun emprunt sur l'année 2015, comme c'est le cas depuis 5 ans. Donc contrairement, et je le rappelle au passage, puisque la période budgétaire arrivera très prochainement, je rappelle qu'à Aulnay-sous-Bois, l'excédent de la section de fonctionnement ne sert malheureusement plus à financer les investissements, mais participe à l'équilibre du budget de l'année suivante. Voilà, monsieur le maire, ce que je pouvais dire sur ce rapport. Merci. On est sur, effectivement, un prend acte concernant le CEPFA, qui est un syndicat très utile pour notre ville et l'ensemble du territoire. Merci, monsieur Fleury. Pour une fois, on arrive à vous comprendre sur un sujet tellement compliqué. Voilà. Non, pour un peu détendre l'atmosphère, on est sur un sujet compliqué, financier, important et rendu compréhensible. Merci, Stéphane. Donc, on est sur un prend acte. On arrive par contre à une autre demande de désaffichage de la part de l'opposition, qui, malgré son absence, aura le droit à l'explication. Nous sommes sur la délibération numéro 19, Métropole du Grand Paris. Monsieur Chaussat, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Il s'agit ni plus ni moins d'une modification du siège de la Métropole du Grand Paris. Le 30 septembre dernier, le Conseil métropolitain décidait de changer son lieu de travail, son siège, au 19 avenue Pierre-Mendès-France, dans le 13e arrondissement. Étant donné que la modification du siège de la Métropole du Grand Paris doit répondre au droit commun des EPCI et requiert en conséquence une délibération du Conseil métropolitain à la majorité des deux tiers, ce qui a été fait, mais aussi une délibération des 131 communes et qui font partie du Conseil métropolitain. Chaque conseil municipal de ces communes doit se prononcer sur la volonté, sur le fait de pouvoir changer de siège. Donc, mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre-là que cette délibération vous est proposée. Merci. Alors, on doit voter, même si on n'est pas décisionnaire de grand-chose dans cette affaire-là, mais quand même, qui est pour ? Merci bien, unanimité. Alors, nous devions arriver sur un gros bloc, je ne parle pas de Franck Canarozzo qui aura la parole lors de ces trois délibérations, pour les 20, 21, 22, mais nous aurons une prise de parole avant d'un expert, M. Coquel. Je me suis aperçu que j'ai complètement oublié, dans le déroulé de l'ordre du jour, de faire approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal. Donc, je le soumets au vote à ce moment-là. Qui est pour ? Merci, unanimité. Alors, je demande à l'expert, alors monsieur le directeur, comment on fait ? Oui, il vient. Voilà, donc monsieur Coquel, qui est le conseiller de la CEMAD, donc la Société des communes mixtes, qui apporte des informations sur l'évolution de cet outil. Je le répète, rappelez-vous, 16 décembre de l'année dernière, à la demande de l'État. L'État nous demande de revoir l'objet de cette CEMAD qui, quand nous sommes arrivés aux affaires en 2014, était à 500 000 euros d'impayés, moins 500 000 euros, je le répète, qui aujourd'hui a été remise à flot, et d'utiliser cette CEM pour en faire l'outil du futur aménagement de PSA.
se faire, il faut trouver de la recapitalisation, remodeler l'outil. C'est effectivement des dossiers qui sont complexes et nous avons fait appel à des experts. Monsieur Coquel en fait partie et j'espère qu'il va rendre audible une matière qui est effectivement très compliquée. Monsieur Coquel, vous avez la parole en tant qu'expert dans ce conseil municipal. Merci. Merci monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Vincent Coquel, expert comptable au sein du cabinet Orcom. Un rappel sur ce qu'est aujourd'hui l'activité de la CEMAD. L'activité de la CEMAD, c'est mettre à disposition d'entreprises des locaux commerciaux. Pour ce faire, elle est soit propriétaire, soit locataire. Aujourd'hui, la CEM n'est propriétaire d'aucun de ces bâtiments qu'elle met à disposition de locataires. Elle exploite 4 bâtiments. 4 bâtiments, 3 sont la propriété de la ville et 1 est propriété d'un tiers à la ville et à la CEM. Pour redonner des marges de manœuvre à la SEM et donc assumer son plan qui vient d'être présenté et rappelé par monsieur le maire tout à l'heure, il faut retrouver des marges de manœuvre. Ces marges de manœuvre passent par devenir propriétaire des biens que la SEM exploite. Sur les 3 biens exploités par la SEM dont la ville est propriétaire, on aura 2 destinations différentes. Un premier bien va être cédé par la ville, permettant de dégager du cash, d'accord, qui sera apporté à la SEM pour permettre son développement ultérieur. Premier point. Deuxième point, les 2 autres bâtiments détenus par la ville encore à ce jour vont être vendus à la SEM. Ils vont être vendus à la SEM à la valeur des domaines, c'est-à-dire qu'on fait appel à des tiers qui viennent à nous dire que la valeur du bâtiment, c'est tel prix. On ne peut pas y déroger. Donc c'est vraiment une valeur de marché. Donc la ville va vendre ses bâtiments à la SEM, mais avec une petite particularité. À savoir qu'on va employer le terme de crédit vendeur. Que veut dire le terme de crédit vendeur ? On va transférer, la ville va transférer la propriété à la SEM, mais la SEM ne va pas payer le prix tout de suite. D'accord ? Quoi qu'il en soit, la SEM doit liquider, payer les droits d'enregistrement liés à cette mutation. C'est pour ça que la ville va faire un apport en compte courant, dont vous parlerez tout à l'heure, pour payer ses droits. Premier point. Deuxième point, j'ai parlé d'un bâtiment détenu par un tiers qui aujourd'hui, la SEM va aussi se porter acquéreur. La SEM a une opportunité, à savoir que le bail qui vit ce tiers à la SEM arrive à échéance courant 2017. Donc on a une opportunité à saisir, la SEM a une opportunité à saisir pour devenir propriétaire de ce bien. Donc les négociations sont en cours aujourd'hui pour devenir propriétaire de ce bien. Quand je dis on, excusez-moi, c'est la SEM. Donc la SEM exploiter 4 bâtiments jusqu'à présent, elle ne va plus en exploiter que 3 d'ici début 2017, puisque un des bâtiments va être vendu par la ville et exploité par un tiers, pour se donner les moyens de son développement, puisque la SEM maintenant ne va pas se contenter d'exploiter 3 bâtiments, elle a des projets, un projet a été établi, ce qu'on appelle un prévisionnel sur 15 ans. Pourquoi 15 ans ? Parce qu'on est dans une activité immobilière où on a besoin de voir un petit peu plus loin que 5 ans, puisqu'on va faire des nouveaux bâtiments. On a des nouveaux bâtiments en tant des bâtiments tertiaires, des hôtels d'entreprise. On a prévu également de pouvoir réaliser un pôle santé, une maison médicale, et aussi une petite particularité, à savoir que la SEM est aujourd'hui l'outil de la ville, votre ville. Et pour ce faire, pour bien maîtriser les pieds, ce qu'on appelle les pieds d'immeuble et notamment les commerces, on laisse la possibilité à la SEM de pouvoir acquérir des pieds d'immeuble pour bien maîtriser le foncier et savoir ce qui va se passer en termes d'aménagement au sein de votre ville. D'accord ? Sauf que réaliser tous ces investissements en faisant construire et en exploitant dans des conditions normales. D'accord ? On ne va pas faire des opérations au rabais, on va tirer une rentabilité normale. La SEM est avant tout, je rappelle, une société anonyme de droit privé, doit dégager des marges pour à la fois faire face à ses engagements financiers, d'accord ? Et puis se donner le moyen de sa politique. Alors, pour réaliser cette opération, tout ce développement qui a été envisagé, il est envisagé de réaliser une augmentation de capital. Une augmentation de capital, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on va s'adresser d'abord aux actionnaires actuels de la SEM. Est-ce que vous êtes prêts à mettre un petit peu plus d'argent dans la SEM pour se donner les moyens de notre développement, ainsi que d'aller chercher de nouveaux partenaires financiers qui vont nous apporter de l'argent pour qu'on se donne les moyens de notre politique ? D'accord ? La ville est actionnaire majoritaire de la SEM. On veut que la ville continue à être actionnaire majoritaire de la SEM, mais sans pour autant amener du cash. D'accord ? C'est pour ça, vous vous souvenez, en début d'exposé, je venais à rappeler que la ville va vendre 2 bâtiments
sans que la, enfin, avec ce qu'on appelle un crédit vendeur, à savoir que la ville va avoir une créance sur la SEM, et c'est cette créance qu'on va transformer en capital. C'est-à-dire que vous, ville d'Aulnay, vous allez augmenter votre participation dans la ville, et votre apport, votre participation à cette augmentation de capital va se faire par cet apport, c'est-à-dire zéro cash complémentaire apporté par la ville d'Aulnay. En revanche, on va chercher des partenaires financiers à l'extérieur, actuels et puis aussi à l'extérieur. L'objectif, c'est de pouvoir faire rentrer un peu plus de 4 millions, d'accord, en cash pour se donner les moyens de notre politique. Voilà, et avec ce qu'on a prévu, c'est un plan sur 15 ans. On ne va pas faire des tas de bâtiments dès le début, on va les étaler dans le temps parce que ça ne sert à rien d'inonder le marché. De locaux commerciaux si on n'a personne à mettre dedans. Donc on a prévu un timing dans le temps, étalé dans le temps, avec les problématiques et les politiques, enfin la problématique liée à la ville et au développement de la ville et au développement et au rayonnement économique de la ville. Donc voilà. Le fait que la SEM devienne propriétaire de ces bâtiments qu'aujourd'hui elle exploite et non pas les sous-loue, va lui donner des marges de manœuvre en termes de cash. Le nerf de la guerre, comme dans toute structure, que ce soit une collectivité ou une entreprise privée, il faut dégager des marges de manœuvre en cash. Cette opération de cession avec crédit vendeur que va faire la ville va donner des marges de manœuvre cash, en trésorerie, pardon, à la SEM, et donc lui donner la possibilité d'assumer le début du développement sur 2017. D'accord ? Ce développement va aussi s'accompagner par une réorganisation en interne du personnel. Réorganisation interne, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va aller chercher des compétences à l'extérieur pour permettre ce développement, à savoir un directeur qu'on va mettre en place en charge de suivre ces nouvelles opérations, ainsi qu'un chargé d'études et un gestionnaire des actifs, quelqu'un qui sera dédié à la gestion locative. D'accord ? Donc ces embauches vont permettre de continuer ce qui a été engagé maintenant depuis quelques mois par la SEM pour récupérer les créances qui sont à l'extérieur et puis pour pouvoir développer, assurer le développement de la SEMAD. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le maire. Merci, monsieur Coquel. Effectivement, on se regarde avec certains élus parce qu'on a eu l'idée de vous faire venir l'autre soir quand on était en conseil de la SEM, compte tenu de la complexité du dossier, pour bien éclairer les autres élus et l'Assemblée. C'est un outil particulier qui va nous permettre effectivement de l'aménagement, mais il y a aussi un contrôle interne. Je regrette l'absence de l'opposition, puisqu'il y a un élu de l'opposition qui est membre du Conseil, M. Gérard Segura. Donc ça ne se fait pas en vase clos, ça se fait sous une forme effectivement avec un contrôle interne, avec surtout un autre acteur présent, qui est la Chambre des dépôts et consignations, qui est la Caisse des dépôts et consignations, qui est un vrai gendarme dans ce domaine-là. Et c'est bien normal parce qu'on parle d'argent public. Et je le répète quand même, quand aujourd'hui j'entends certains me faire la morale sur des sujets financiers, nous sommes arrivés en octobre 2014 en cours client 550 000 euros d'impayés. Voilà. Dépréciation pour impayés 382 000 euros. Taxe foncière due 238 000 euros. Voilà. Donc c'est l'état de la SEM tel que nous l'avons su à l'époque. Aujourd'hui, on l'a remonté et on en fait effectivement un futur outil pour aménager PSA, la Barbière, les Mardels, ça veut dire tout ce pôle gigantesque qui se développera autour de la gare du Grand Paris à partir de 2023. Donc je remercie particulièrement toutes celles et ceux qui travaillent aussi à la SEM. Franck, tu les remercieras. Et je te donne la parole pour grouper peut-être les trois délibérations 20, 21, 22. Tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Je ne vais évidemment pas répéter ce qui a été dit. Et vous avez vu que les trois délibérations portent l'une sur ce qu'on appelle le plan moyen terme de développement de la SEM, l'autre sur le rachat d'actions, puisque comme c'est une société anonyme, il y a plusieurs actionnaires. Hein, dont la Caisse des dépôts dont on parlait précédemment, il y a d'autres actionnaires pour lesquels on va opérer un rachat, la ville va opérer un rachat d'actions que vous avez vu dans la délibération à hauteur de 30 489 euros et 80 centimes, si j'ai bon souvenir, auprès d'actionnaires minoritaires, de façon à renforcer le contrôle de la ville, mais aussi à permettre dans le futur par exemple à de grands acteurs de devenir aussi actionnaires. Et puis la troisième délibération, c'est ce que vous a dit monsieur Coquel par avance, qui est l'avance de 700 000 euros qui va permettre à la SEM de payer les droits de mutation qui vont être liés aux opérations. Alors pourquoi on fait tout ça? Juste rappeler des petites choses. La SEM aujourd'hui, elle gère 9 400 m². Et comme ça a été dit, elle n'est propriétaire de rien.
Sur ces 9400 m², il y a 75 hébergés, 75 entreprises. Alors il ne faut pas imaginer que cette SEM, elle agit sur un marché concurrentiel. C'est-à-dire que le type de locaux qu'elle offre, ce sont des locaux que le secteur privé n'offre pas habituellement. Voilà. Et c'est utile, pourquoi ? Parce que ça permet aux entreprises de démarrer, de se développer dans un cadre, dans un cocon, j'allais dire. Et pourquoi je dis un cocon ? Parce que non seulement il y a effectivement l'activité locative, mais il y a toute une démarche et tout un accompagnement des chefs d'entreprise. Daouda pourra en parler, parce qu'il est passé par là il y a quelques années. Et donc, ce qui est important pour que les entreprises réussissent, c'est évidemment qu'elles aient des locaux, mais aussi qu'elles soient accompagnées. Donc ça, c'est une démarche qui a été mise en place de longue date, et il faut remercier ceux qui en ont été à l'initiative à l'époque, puisque l'ensemble de ces locaux, et c'est ça qui est quand même aussi important à retenir, ont été construits tous avant 2008. Remarquez bien et écoutez bien, entre 2008 et 2014, pas un seul mètre carré n'a été construit pour accueillir les entreprises. Pas un seul. C'est-à-dire qu'en clair, la municipalité précédente d'avant 2008, voilà, c'est nous, pour ne pas le dire, mais effectivement, la ville avait une politique d'accueil des entreprises et elle savait que pour que les entreprises démarrent, elle devait les accueillir dans des conditions spécifiques et profitables. Et donc elle a construit 9400 m². Nos prédécesseurs entre 2008 et 2014 n'ont construit aucun mètre carré. Pour vous dire l'importance qu'ils y accordaient. Alors, comme l'a dit monsieur le maire, je ne redirai pas les impayés, 550 000 euros. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que non seulement effectivement il y avait 550 000 d'impayés, mais la ville elle-même avait 70 000 euros qu'elle ne payait pas. Donc c'est pour dire la façon dont c'était géré. La taxe foncière qui n'était pas payée et le déficit, que vous le sachiez, mais la SEM était un déficit en 2014 de moins 362 000 euros. En clair, elle n'était plus dans des conditions de vie supportables. Pour vous dire, nous finirons l'année, cette année, avec l'ensemble des actions qui ont été engagées ces dernières années, nous finirons l'année avec moins 17 000 euros. En clair, pour une SEM qui fait juste 1,4 million de chiffre d'affaires, nous aurons économisé 345 000 euros. D'accord ? Nous aurons réduit le déficit de 345 000 euros. Voilà, pour vous dire les efforts considérables qui ont été faits. Voilà mes chers collègues, donc il faut qu'on le fasse, comme ça a été expliqué, il y a un plan de développement et compte tenu du développement que va connaître notre ville, il nous faut un outil à notre main capable de le faire et c'est la raison pour laquelle on vous présente ces trois délibérations. Merci monsieur le maire. Merci, donc on a bien compris la chronologie, 16 prise en main de l'outil en 2014, élaboration le 16 décembre 2015, travail de fond avec... achat, vente d'un bien, arrivée d'experts, et on rentrera dans l'année opérationnelle à partir de l'année prochaine. Alors j'ai quand même demandé que chaque délibération soit votée une par une, même si on les a expliquées globalement. Sur la 20, qui est pour... Excusez-moi, monsieur le maire, non, oui. On ne peut pas voter membre de la SEMAD. Alors, si il y a justement, on parle de société d'économie mixte là, alors je vais redonner la parole à un autre expert vu la complexité du dossier. Si vous pouvez venir, c'est pour ça qu'il y a eu un élan du cœur. Il n'y a pas de risque d'opposition, mais quand même, j'aime mieux que les choses. On est sur un sujet qui est quand même ne peut pas, ne devrait pas opérer l'avenir, donc on a qu'à aller. Allez-y. Voilà. Je reprends les papiers de monsieur le maire, que je remercie beaucoup de me donner la parole. Donc, effectivement, il arrive que les conseillers intéressés ne puissent pas voter, mais s'agissant des sociétés d'économie mixte, l'article L1524.5 du Code général des collectivités territoriales indique très précisément « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L2131-11 lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
Merci. Et par contre, juste par principe, je ne voterai pas, puisque je suis président de la SEM et maire, donc c'est quand même mieux sur la forme. Qui est donc pour ? On avait dit 20. C'est un prend acte pour la 20 ? Ah, ça, vous ne l'aviez pas marqué. Le prend, les 3 ? La 20, donc, c'est un prend acte, on ne vote pas. La 21 sur le pôle développement territorial, rachat des parts, on vote. Qui est pour ? Merci. Et la 21 sur l'avance en compte courant à la CEMAD, qui est pour ? Merci. On a noté donc ma non-participation, on vote. Nous arrivons aux questions, bien sûr aux décisions. Pas de remarques sur les décisions. Enfin, questions diverses. Pas de remarques. Je vous remercie. Je lève les travaux de ce conseil municipal. Bonne soirée à toutes et à tous. On va voir.